Birdie num num. Birdie num num. Yes, sir. Ah, would you please hurry, but this morning the kitchen is closed for you, sir. Bonjour, les petits doigts. Vous êtes 5 900 doigts à jouer avec nous aujourd'hui. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et en fait, on va jouer autour de la cuisine. Made in India. Shanti, shanti, so nice of you. J'espère que tu as l'habitude de manger indien, parce que indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et ça, tu pourras l'embarquer avec toi quand tu veux. Alors attention, la cuisine indienne, c'est très riche, c'est très varié, c'est très bon, c'est parfois végétarien, mais c'est un très très grand pays qui a beaucoup de spécialités. Alors aussi, j'ai décidé de réduire ce quiz aux spécialités que tu es susceptible de trouver dans un restaurant indien en bas de chez toi, ou en haut de chez toi, ça dépend, il y en a qui habitent au sous-sol. T'es prêt? Je te propose qu'on parte directement sur la première question qui porte le numéro 1. Attention, question 1. Comment s'appelle cette galette de farine, parfois fourrée au fromage ou à l'ail? Ça s'appelle le pain, ça s'appelle le naan, ça s'appelle le bœuf, ça s'appelle la pita. Je rappelle que le naan et le bœuf étaient autour de Jésus dans la crèche. Alors, le pain, le naan, le bœuf ou la pita? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh là là, c'est très 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 bien. Ça se déroule plutôt pas mal. Même si, voilà. Évidemment, c'est le naan. Avec du fromage, ça s'appelle cheese naan. Avec de l'ail, ça s'appelle garlic naan. Oui, parce qu'en fait, l'Inde avant, c'était une colonie anglaise. Et que, ben, comme tout le monde ne parle pas l'indien, les Indiens se sont mis à parler l'anglais. C'est signe qu'ils étaient quand même supérieurs à leur envahisseur, qui lui n'a fait aucun effort pour apprendre la langue locale. Toi, tu aurais dû apprendre que la pita, c'est pas du tout dans cette région-là que ça se consomme, qu'évidemment, c'est le naan. Tu aurais dû savoir comme kamal, kamalou. Ah, si t'as trop mangé indien, je sais, ou kamal. Kamal, tu as bien assuré sur cette question, tu es number one. Vous êtes 64% à avoir répondu le naan, donc vous n'en êtes pas tous, finalement. Et vous êtes 231 joueurs sans faute. Je vous propose qu'on passe directement à la question numéro 2. Si vous commandez un lassi, vous aurez, non pas un chien fidèle, vous aurez une galette, une boisson, une salade ou un gâteau. Voilà. Non, vous n'aurez pas un lassol non plus. Lassi, lassol, famille. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu vas... Hein, un lassi. Alors, lassi, tu peux l'avoir à la mangue. Hein, tu peux avoir aussi lassi rose. Alors ça, c'est un truc quand tu bois trop d'alcool. Mais sinon, ça peut être parfumé à la rose. Évidemment, c'est une boisson lactée, avec un lait très légèrement aigre qui est parfumé. Ou pas, ça peut être un lassi nature, c'est délicieux, même si c'est un petit peu épais. Et comment est-ce que vous avez répondu à cette question? Eh bien, 48% d'entre vous pensaient que c'est une boisson et avaient raison. Bah, une galette, c'est non. Une galette, c'est ce que tu risques de déposer si tu manges beaucoup trop. Le gâteau, 28%. La salade, 10%. Ouais, en gros, c'est je sais pas, je réponds au hasard. Balthazar. Et Balthazar ne fait pas toujours bien les choses. Émira, j'espère qu'avec toi les Arabes sont unis. Émira, en tout cas, tu viens de triompher sur cette question, même si c'est toujours Kamal qui est en tête des courses. Et ben parce que voilà, Kamal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Kamal, c'est Kamal. Attention, question numéro 3. Comment s'appelle le four traditionnel en terre cuite typiquement indien? Est-ce que ça s'appelle un tandoor? Est-ce que ça s'appelle un brasero? Est-ce que ça s'appelle un barbecue? Est-ce que ça s'appelle un tambour? Voilà. Alors, on y fait souvent, tu sais, ce poulet, c'est souvent du poulet, qui sort tout rouge, mais alors genre rouge, écarlate, écrevisse, un petit peu comme ta grand-mère rousse lorsqu'elle prend des coups de soleil. Eh bien, on dirait que ta grand-mère est partie en vacances dans un tandoor, hein, et pas dans un tambour. Le poulet tandoori, chicken tandoori, very good, very good, very nice. C'est très bon, vous êtes 80% à avoir donné la bonne réponse. 7%, on voit le brasero en Inde. Bon, les gars, il va falloir bosser un petit peu. Le barbecue... Et le tambour, bon, et puis bah écoute, sans surprise, c'est encore Benjamin. Et Benjamin, tu le lâches ton téléphone un jour, t'as rien d'autre à foutre de tes journées que de venir piquer des victoires au nez à la barbe des autres. Mais putain, laisse la place, quoi. Bon, sinon vous êtes 121 joueurs sans faute, et c'est Bérénice. C'était Bérénice, quoi, qui a pris la tête de la course. Bérénice, je te félicite. C'est bien, Bérénice. Question numéro 4, attention, 4. Le kulfi, ah, kulfi, very good. C'est un délicieux dessert indien. Et il est parfumé avec quoi? De la cardamome, du poivre, de l'anis avec un i ou du rhum? Je te le demande en mille. Avec quoi est parfumé le kulfi?
Comment t'as répondu? 64% t'as répondu de la cardamome. Eh ben, t'as bien fait, parce que la bonne réponse, c'est de la cardamome. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui disent de la cardamome. Eh ben, il n'y a pas de N, c'est un M, cardamome. C'est un peu comme la môme piaf, tu vois. T'as compris? 5% ont répondu du poivre, pourquoi pas? 30% de l'anis. Ah, écoute, non, anis, c'est la soca. C'est Vincent qui a le mieux assuré sur cette question. Eh ben non, c'est pas Vincent, c'est Laurie. Ah, non, c'est Vincent. Si, c'est Vincent. C'est bien Vincent. Enfin, Laurie, ça veut dire que t'étais pas loin derrière. Bérénice, t'es toujours en tête et vous êtes encore 94 à pouvoir prétendre à la victoire. Sachez juste que seulement les 10 premiers empocheront chacun 20 balles et que les autres, vous pourrez toujours aller manger indien parce que finalement, ça n'est pas si cher. Comment appelle-t-on, question numéro 5, comment appelle-t-on le thé au lait sucré et épicé? Est-ce que c'est le Earl Grey? Est-ce que c'est le chai? Est-ce que c'est le Darjeeling? Ou est-ce que c'est le tea? Voilà, parce qu'en fait, TEA, ça se prononce tea en anglais, et par extension en américain aussi. Mais là, c'est vraiment du thé au lait, c'est très très bon. Alors, c'est dans, dans le nord de l'Inde, et même si, si tu vas dans les montagnes, vers, vers le Népal, ça se prépare avec du lait de yak. Évidemment, c'est le chai. Et même dans, dans la chaîne de restaurants indiens Starbucks, tu peux avoir ton chai tea latte. Mais je te déconseille d'aller le boire parce que là-bas, c'est vraiment dégueulasse par rapport à un vrai chai indien. Le Earl Grey, bah, c'est un thé qui peut venir d'Inde, mais qui n'est pas fait avec du lait. Vous êtes 58% à avoir répondu le chai Darjeeling. Bon, et puis le tea, hein. Le tea, c'est quand tu ne sais pas quoi répondre, tu réponds le tea. A priori, c'est Patrice. Patrice, Patrice, je te félicite, tu viens de triompher seulement sur cette question. Et c'est toujours Bérénice, Bernice qui est en tête de la course. Attention, question numéro 6. Si vous voulez cette fameuse salade de concombre yaourt, c'est délicieux. Qu'est-ce que tu vas commander? Un dal, un chutney, un raita ou un korma? Ok, dal, chutney, raita, korma. What do you want? You tell me, sir. Moi, je sais pas, je sais pas. Mais je, toujours est-il que j'aime beaucoup cette salade de concombre yaourt. En plus, c'est ce petit yaourt indien qui a un goût légèrement aigrelet, qui est absolument délicieux. Eh bien, ça s'appelle raita. Raita. Exactement. Oui, il y a aussi des herbes, il y a de la menthe, il y a plein de trucs super bons. Une petite pointe d'acidité. Ouh là 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 là. Alors là, ça s'est pris les pieds dans le tapis. Seulement 50% ont répondu raita. Le reste, ça se partage entre le dal. Dal, c'est souvent un plat de lentilles. Le chutney, on y reviendra. Et un korma, c'est autre chose. Alors, c'est Kevin qui a été le meilleur là-dessus. Je pense qu'on on prononce Kevin. Kevin en anglais, Kevin en français. Que vas-tu faire dans cette galère? Et c'est toujours Berenice. Et Berenice, franchement, mine de rien, mine de crayon, tu mènes la danse par le bout du menton. C'était histoire de faire une rime avec on. Attention, question numéro 7. Dans la cuisine indienne, on utilise du ghee. Mais qu'est-ce que c'est exactement le ghee? Est-ce que c'est une herbe? Est-ce que c'est un corps gras? Est-ce que c'est une fourchette? Est-ce que c'est une épice? Qu'est-ce que tu me réponds à cette question? Qu'est-ce que c'est le ghee? Non, le ghee, c'est pas un truc sous lequel on s'embrasse à la Noël. Ça, c'est, ça, ça se passe pas en Inde exactement. Le ghee, c'est un corps gras. Par exemple, moi, tu vois, je suis un ghee. J'ai un corps gras. Mais on ne m'utilise pas dans... Enfin, si, on peut m'utiliser dans la cuisine. Tu peux me cuisiner comme tu voudras, chouchou. Non, ça n'est pas une herbe. Non, ça n'est pas une fourchette. 40% ont répondu une épice. Il n'y en a pas déjà assez des épices en Inde. Tu peux me rajouter des épices qu'on ne connaît même pas. Le ghee, c'est du gras. Et le gras, c'est la vie. Le gras, c'est le goût. Le gras, c'est bon. Et ça, Merwan, tu le savais, Merwan, que le gras, c'était la vie. Le gras, c'était le ghee. Et donc, Merwan, tu arrives en tête de cette question. Et Bérénice, tu viens de te prendre une petite claque sur le coin d'une âne. Tu viens de dégager de la tête de la course. Au profit de Greg Samuel. Et Greg Samuel, salade, tomate, oignon, sauce blanche, harita, ketchup, moutarde, tu viens de prendre la tête et vous êtes encore 34 joueurs sans faute. Ce qui veut dire que pour se partager 20 euros chacun, ben y en a encore 24 de trop. Et là, il y en a 24 qui doivent dégager dans les deux questions qui viennent. Question numéro 8, ocho. Avec quoi fait-on un chutney? Avec du sucre, vinaigre et épices? Ou avec yaourt et herbes, ou avec des viandes marinées, ou avec les doigts. À ton avis, avec quoi fait-on un chutney? Ouais, j'imite des gens, ouais, je sais, je suis fort. C'est plutôt pas mal. Alors, comment est-ce que t'as répondu à tout ça? Eh ben, écoute, t'as pas si mal répondu, hein, parce qu'à 72%, t'as donné la bonne réponse, et tu m'as dit sucre, vinaigre et épices. Et c'est vrai que le chutney, c'est, tu sais, c'est un genre... Ça fait un peu confiture, mais pas complètement confiture. C'est pour ça que ça s'appelle pas une confiture, mais... Un chutney, comme son nom l'indique. Écoute, oh putain, Benjamin, encore toi.
Benjamin, Benjamin, Benjamin. Bon, ben, Benjamin, t'as bien répondu à cette question. Mais sinon, c'est Hélène. Hélène, tu viens de prendre la tête de la course. Tant que tu ne me prends pas ma tête à moi, tout va bien. Et attention, c'est là qu'on va voir où sont les hommes et les femmes. C'est qu'on attaque la question 9 et où tu sais ou tu sais pas. Vous êtes encore 33. Top, que sont des pakoras? Les pakoras, c'est des brochettes, c'est des beignets de légumes, c'est des gâteaux secs ou c'est des galettes? À ton avis, qu'est-ce que... Ouh, là, c'est un petit rototo de kebab, parce que oui, j'ai mangé en quatrième vitesse avant d'arriver. Je me suis mis dans le bain. D'ailleurs, on va faire un quiz bientôt, sandwich qui rend gros. Je te jure, il y aura kebab dedans. Si tu peux me croire, le kebab, ça rend un peu plus gros que prévu. En tout cas, plus gros qu'une salade. Alors, comment t'as répondu là-dessus? Eh ben, t'as répondu, t'as donné la bonne réponse à 54% seulement en répondant des beignets de légumes, parce que les pakoras, c'est des beignets de légumes. Je crois bien que c'est Hub. Non, c'est Merwan qui a donné la meilleure réponse. Merwan, tu t'es bien frisé là-dessus. Maintenant, est-ce que ça suffit pour remporter l'ensemble du quiz? Je suis pas sûr. Et là, comme d'hab, et d'ailleurs, il faudra un jour qu'on m'explique, venu de nulle part... Et pour remporter la course, c'est Raphaël. Raphaël, t'arrives en 1, Benjamin en 2, c'est bon, tu auras tes 20 balles. Fatia, Restless, Mankel 69, Elaine, Nathalie, Brigitte. Bon, vous êtes tous éligibles pour remporter un petit peu de sous, hein, savoir 20 euros. Est-ce qu'on essaye d'appeler Raphaël? On est en train d'appeler Raphaël. Raphaël, tu réponds? Raphaël, décroche, vas-y. Arrête de faire ta mijotée, s'il te plaît. Ça va, c'est pas... Je vais pas mal te parler. Bon, bah tant pis pour toi, Raphaël, hein, on t'a raccroché au nez. La prochaine fois, on va mettre en place une règle. Si tu ne décroches pas, tu ne perçois pas ta gratification. On essaye Fatia. Oui, parce que Benjamin, ta tête, on la connaît, mais alors... Ça veut pas dire qu'on t'aime pas, Benjamin. Encore que... Fatia, tu décroches, s'il vous plaît? Tu m'obliges pas à parler dans le vide? Fatia, s'il te plaît, vas-y, là. Pff. Non, mais... Parce qu'après, tu vois, nous, on essaie de faire des trucs sympas. On vous téléphone. On parle de cuisine indienne. Allô? Toc, toc. Bonjour, Fatia. Salam alaikum, Fatia, comment ça va? Putain, ils sont combien, là-dedans? Mais c'est la caravane des Gypsy Kings! J'ai joué toute seule! Mais mon œil, oui! Mais alors dis-leur de se planquer, c'est quoi cette espèce de gruge? Nice, franchement! Non, ils essayent de faire croire qu'ils y sont pour quelque chose! Oh putain, derrière, il y a un Indien en plus! C'est de la triche! Il y en a partout, on est dans une école! Sors de là, Pape Schmir! Non mais sans blague, vous êtes allé directement. Eh, ça fait plaisir de voir ce sourire joyeux. Mais si tu dois partager 20 euros avec tout le monde, t'es dans la merde, hein, ma sœur. Ouais, c'est pas grave. Ça va pas être simple. Ça fait longtemps que tu joues avec nous? Oui, ça fait longtemps, c'est la première fois que je gagne. Donc je suis très contente. Ouais! Ça, c'est bon, ça! Super! T'en veux, je t'en donne. C'est cadeau. Eh ben écoute, je suis super content. Tu es à quel endroit? Je suis à Villepinte. Ça existe? Ah! Bah oui, on va la rappeler. Villepinte. C'est pas en France, ça? Villepinte? Villepinte, c'est au Portugal? Oui, je sais, c'est un petit peu raciste. Mais c'est pas... Après, non, c'est pas raciste, parce que portugais, c'est pas une race. Pour qu'il y ait racisme, il faut qu'il y ait race. Là, c'est à la limite, c'est... À la limite, ça va, c'est sympa, quoi. Ça va, Villepinte aussi, en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un campus. Ce soir, c'est Heidi, petite fille des montagnes, qui va venir vous faire un quiz in English. Heidi, petite fille des montagnes. Voilà. C'est un quiz tout en anglais. Donc, si tu parles pas anglais, gaspille pas tes... Si. Si tu parles pas anglais, c'est l'occasion d'apprendre. Mon petit copain, ma petite copine. Bon, Fatia, on a allé plus toutes les peines du monde à t'avoir, mais en même temps, ce visage enjoué, cette communauté de players qu'il y avait derrière toi, nous va droit au cœur. Ouais, c'est là, ok? Nous va droit au cœur. Fatia, sache qu'on t'aime fort. Ouais, si, c'est vrai. Et que tous tes petits copains, s'ils ont téléchargé l'appli, on les aime aussi. Sinon, ils n'ont rien à faire au 21e siècle, qu'est-ce que je te dise. Et quant à tous les autres, je vous fais un bisou, bye bye. Shanti, shanti, and keep connected.